Hello, hello, c'est Isabella qui vient te parler d'un sujet de société. On se retrouve de suite. Le sujet sera les filtres. Et oui, le sujet ce soir, ce sont les filtres. Filtres Snap, filtres Instagram, etc. Et pour ceci, je vais me servir un café. Car je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais ici il est presque 2 heures du matin. Un café Courageuse, pour parler de tout ça. Puisque je fais de la ASMR, je vais le faire à voix basse. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais podcasts se font à voix basse. Sujet de société. Faut rien dire. Filtre le sujet très. Un petit café avec le mignon. Les filtres. Les filtres, c'est à la mode. Ça embellit, ça donne un effet particulier pour s'amuser ou alors se sentir plus beau, plus beau, plus belle sur les selfies. Alors nous avons Instagram. Instagram, c'est le, je pense, l'un des premiers à avoir instauré le filtre Snap. Je me souviens à une époque, il y avait un petit challenge à laquelle j'ai participé en famille, et c'était de faire une photo et faire un délire de filtre dessus. Et ça m'a poussé à m'inscrire à l'époque sur Instagram. Donc ce que j'ai fait. Bon, Instagram, je l'ai un petit peu délaissé, mais ma première venue dans Instagram, c'était par les filtres. Je ne connaissais pas. Vous voyez, j'avais pas fini de faire mes petites nattes. Non, ça, c'est pas un filtre Snap, hein, c'est une luminosité dans mon téléphone. Hein. Donc, ça m'a amené à l'époque à connaître les filtres, mais je vous dis ça il y a quelques années. Depuis, j'avais un petit peu abandonné. Et depuis que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, je m'y suis intéressée en fait. Voilà, c'est YouTube qui m'a donné l'envie de connaître donc les filtres par la force des choses. Donc oui, les filtres, c'est marrant, c'est rigolo, c'est sympa, ça embellit. Seulement, on a découvert, je crois que c'est aux États-Unis, l'apparition d'une nouvelle maladie. En fait, les jeunes, en quête, certains jeunes en souffrance, en quête de d'apparence, etc., ne supportaient plus leur apparence normale.
et préférer donc leur apparence sur les filtres, ce qui a mené à des extrémités, oui, comme eh bien de faire de la chirurgie pour ressembler à leurs filtres. Et puis une maladie aussi qui est apparue, je vous la mettrai en barre d'infos, hein. Une maladie qui est apparue. Certains jeunes ne supportent plus leur image, donc se réfugient dans les filtres. Bien entendu, je pense que ces jeunes sont assez fragiles, hein. Donc voilà. Le danger, peut-être, serait que qu'on connaisse les gens que par leur filtre et au moment de la rencontre, on ne le reconnaisse pas. Ce serait embêtant. Très embêtant. Bref. Les filtres Snap, les filtres Instagram ou d'autres applications, moi je trouve ça sympa. Ça permet des petits délires de s'éclater, de ressembler peut-être à quelqu'un d'autre, ou tout du moins s'embellir. Faut le prendre de façon humoristique. Voilà, faut le prendre de façon pour s'amuser en fait, ne pas tomber dans l'excès. Alors, je me suis un petit peu baladée comme très souvent sur Snapchat, parce que j'ai l'application Snapchat. J'ai également, comme tout le monde peut-être, je ne sais pas, l'application TikTok qui un énorme succès auprès des jeunes. On y voit de tout, hein. Du bon comme du pire comme du meilleur, de tout. Ça sort du quotidien. Oui, j'ai vu des choses vraiment très très étranges, mais aussi des choses magnifiques. Donc TikTok, je ne me suis pas encore penchée là-dessus. Mais ça viendra peut-être, hein. Qui sait? Moi, je fais les filtres Snap plus pour m'amuser, pour égayer un petit peu ma journée et mettre des photos sur les réseaux. Voilà pour le dire. Donc, on va aller un petit peu se balader dans Snapchat et je vous retrouve de suite. À tout de suite. Là, nous avons par exemple côté espagnol. Olé! ¿Cómo estás? Muy bien. Les saucisses, les saucisses. Ouh. C'est bon. J'aime beaucoup le rouge. J'aime beaucoup. Oui. Wow.
Bienvenue, bienvenue. Petit côté cartoon, manga. Elle aime beaucoup. Une infirmière blonde. Un peu flippant quand même. Hello mes amis, hello. Super luminosité. C'est aussi un petit peu plus naturel. Genre bronzé. C'est là, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Non, non, non. Par la luminosité. C'est un peu gothique. Parce que c'est. Allez, je vous aime tant. Tellement bien. I love you. Love au-dessus. Encore un petit cœur. Un petit chat. Oh, un petit ourson. Là, c'est un ourson. Un petit cœur. Des toussons. Un petit peu cuir latex. Pareil, luminosité, sympa. Et là, c'est pour faire des têtes de bébé. Et voilà, ensuite des modifications, il n'y a plus rien. Et voilà, nous allons quitter l'application Snapchat. Voilà. Donc on se retrouve pour la fin de cette petite vidéo. J'espère que tous ces petits filtres vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, likez, commentez. Et ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, mes amis. Prenez soin de vous. Au revoir.